Bonjour à tous. Bon, je viens de réaliser un petit truc rigolo là, avec Blender. Alors, je l'ai fait vite fait à l'arrache, juste pour vous montrer. Et je vais vous faire un tuto pour vous expliquer comment on peut faire ça. C'est très facile à faire en plus. Alors, il s'agit là d'une cavité souterraine dans laquelle on se promène et puis on fait des rencontres. Voilà. Alors, vous allez voir, je vais. Voilà, hop. Alors, il y a un bon effet de rocher. J'ai trouvé une texture pour le sol, une texture pour les murs là, qui est assez sympa, qui est vraiment réaliste. J'aime bien. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée. J'ai d'abord trouvé la texture, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire la vidéo. Alors ce truc-là, je l'avais fait sur mon ancienne chaîne déjà, mais pas avec des textures comme ça. C'était beaucoup plus. C'était brut, quoi. C'était gris. C'était. Voilà. Donc je vais vous passer la vidéo là, juste après. Et puis dans quelques temps, je vous ferai le tuto, voilà, pour réaliser ce genre de choses. Donc c'est tout simplement, on va le voir. Hop là. Vous voyez, un truc comme ça, hein. Voilà, le tunnel, il ressemble à ça. On peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est très facile à faire. Et puis l'application de texture est simple aussi. Enfin, l'animation de la caméra, c'est le plus compliqué, mais il n'y a rien de formidable non plus, hein. D'ailleurs, moi, c'est pareil, vous verrez, c'est fait à l'arrache, parce qu'à un moment donné, on tourne trop vite et tout. Il faudrait prendre le temps de bien animer la caméra. On a les moyens de le faire, hein. On peut faire des choses vraiment bien, hein. Même à la limite, mettre deux caméras, ce qui serait peut-être bien aussi. Enfin, bon. Voilà. On peut s'amuser pas mal avec ça. Allez, bon, écoutez, ne quittez pas là, ça, la vidéo n'est pas terminée. Vous allez pouvoir voir maintenant le petit film qui est pas long. Voilà, mais en attendant, je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.